Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon manga. Non. Je vais vous prendre moi. Alors, c'est mieux comme ça. Alors, je vais vous, c'est une surprise. Et je vais vous la présenter maintenant. Pour bien certains, ils savent que je fais ça depuis un moment. Que je travaille sur ça. Et maintenant, ils vont voir. Je vais tout simplement créer un manga. Et je vais vous montrer mes dessins. Je vais créer les personnages principaux. Je vais vous expliquer l'histoire. Et j'espère que ça vous plaira. Allez, à tout de suite. On a Mira qui sera Laura, une sœur, une petite sœur, c'est elle. Et il y aura un grand frère. Et ça, c'est Mira qui vient. Maintenant, je vais vous expliquer l'histoire. Mira est un enfant de 13 ans qui habite à Konoha, c'est un Uchiha. Et il a un démon à l'intérieur, mais c'est un démon caché. C'est pas un démon comme tu dis, les autres démons en fait. C'est un démon que personne ne savait qu'il existait. Et c'est le démon à 12 queues, le démon vraiment caché à 12 queues. L'histoire, c'est que quand il avait 13 ans, il était dans l'équipe 7, mais pas dans l'équipe. C'était à l'époque de la même époque. Et Ishio, le frère Mira, lui, c'est le frère, et il va tuer la sœur Amira. Qui s'appelle Sébina. Voilà, c'est ça pour sa mort. Déjà, plus Sébina. Depuis ça, Mira, il est un peu dans la colère, parce qu'il s'en fout. C'est normal. Moi, je suis comme teenager, maintenant, je vais faire la vie. Et il va partir de Konoha. Il va lui déserter Konoha. Il va s'enfuir. Et il va rejoindre. Il va aller à Sona. Et il va faire la quête avec sa famille dans laquelle il va être tué mon cul et je le vis. Et il va être toujours aux côtés de sa famille. Et son but, c'est un peu de tuer Ishio. Voilà, il va tuer ses parents et sa sœur. Du coup, Mira, il va aller vers sa sœur. Et ils vont faire équipe ensemble. Et en fait, ce sera une personne un peu cachée. Je doute. Et pour ça, c'est là à déserter Sona. Mira est venue me voir et a dit pourquoi t'as fait ça. Et sa sœur lui dit je sais pas pourquoi je fais ça. Mes parents sont morts, je sais pas comment j'arrive. Alors je préfère déserter Sona. Et lui va l'accompagner. Du coup, sa sœur va lui apprendre l'art des marionnettistes. Et Mira va le savoir. Et du coup, il va faire équipe avec sa sœur et il va être caché un peu. Quand Konan va attaquer sa souris, lui il sera caché derrière une montagne. Et quand sa souris est dans la Katsuki, il n'y a que le chef Konan, Obito, Tobi, et sa souris et Deda qui savent son existence. En gros, les chefs et sa souris et Deda. Ça,
sera le monde caché. Et quand ce souris mourut, et ben lui il est parti. Il est resté un peu avec les Dara, mais après il est reparti. Il ne pouvait plus rester dans le caché. Du coup il parcourt le monde. Et il va se retrouver devant 10 000 Zetsu et va les tuer en une seule technique qui s'appelle l'âme divine, pas juste son épée. Et il va aussi. Il va rencontrer Naruto pour un garde ninja, un quatrième garde ninja, et il va faire équipe avec lui et encore en cachet, jusqu'à dans Boruto, où il aura 7 têtes. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite histoire vous a plu. Non. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et puis, ciao.